ברוכים הבאים בשם השם, זרום למירית. דקויות בנות ויל, את הרב החשוב, הראש ישיבה, מירושלים, הרב רון שי השליטה. מה עושים למירית? דבר הסידון בנות ויל באשדוד. הרב החשוב, הרב הגאון, רבי דוד טויטו שליטה. C'est pour moi un très grand honneur d'être avec mon cher ami, avec Twitou Shalita. Vous remerciez d'être si nombreux ce soir. Et bien le Rav qui continue, il y a ses chayes, encore et encore jusqu'à bien Goël. Amen et Amen. C'est une grande réussite de juifs francophones s'abstenir et venir pour la Torah. Là, il y a quelqu'un qui s'adresse à Dieu sur le moment même il est exaucé. Ce n'est pas un petit miracle, c'est un miracle qui lui sauve la vie. On vit une situation tout à fait anormale. Que ce n'est pas nous qui attendons la Géoula, c'est la Géoula qui nous attend. Et le trisou qui était tellement grand que même les soldats druzes, ils voulaient des tzitzit. Alors, ou on fait tchouva intelligemment, ou on fait tchouva par la pression. Si tu veux machar, appelle-le. Parce qu'ils ont compris que ça protégeait mieux que le gilet pare-balles. Aujourd'hui, on ne connaît pas une famille dans laquelle il n'y a pas un balti. C'est fantastique. Chaque enfant qui vient au monde approche la Géoula. On nous a tiré dessus, un missile, qui a tapé à 5 mètres de moi derrière, entre moi et le bulldozer. C'est maintenant qu'il faut se battre. Qu'est-ce qui reconstruira le temple? L'amour gratuit. Il y a des dizaines de prophéties qui parlent de retour du peuple juif en terre d'Israël. Dans la fenêtre arrière du bulldozer, c'est 7 fenêtres blindées. Elle a cassé les 7 fenêtres et elle s'est arrêtée dans la barre de fer qui retient la fenêtre à côté de la tête du gars qui est là-bas. N'oublions pas que la terre d'Israël est le parchemin, que nous sommes la plume et que l'écrivain reste le créateur. Mais c'est Kadosh. Sur là, Baruch HaShem, c'est des grands juifs, ils savent pourquoi ils sont là-bas, ils veulent se battre pour le peuple d'Israël, ils sont prêts à donner leur corps et leur âme pour un Israël. Il est mieux là-bas. C'est l'épreuve de la haine, l'épreuve de l'attente chaque jour. On dit, mais comment toi t'étais dehors et ta reine? J'ai un cheval favori. Les non-religieux à l'armée soldats demandent prier pour nous. Ils prient eux-mêmes. On est devenu le vrai peuple d'Israël. On va réussir de s'attacher. Et des miracles comme ça. Mais c'était tout le temps, c'était tous les jours. Tous les jours. Et nous, on n'avait que Baruch HaShem, une armée qui est kadosh. Quand je vois la photo de nos chayalim qui tombe, ce qui me tue le plus, c'est que tu vois des tzadikim. Tu vois des gens qui ne sont pas faits pour tuer, ils ne sont pas faits pour blesser, ils sont faits pour aimer, ils sont faits pour la paix. Quand je suis arrivé dans le Beit Knesset et que j'ai vu qu'au moment où on faisait la prière pour les soldats, les gens ils parlaient et ils sortaient, j'étais heureux. On les veut vos Tehillim et vous faites à tous très bientôt au temple avec ma chère, c'est qu'elle baisera ta chaîne. Nous ce qu'on veut c'est que tu sois avec nous. Pendant qu'eux veulent nous exterminer, nous on chante. וכן יהי רצון ולומר, אמן, ויחזיר לביתם את כל החטופים והחטופות. וכן יהי רצון ולומר, אמן. אדוני מלך, אדוני